Tu vois, Patrick, je suis obligé de te montrer. Alors, je vais te dire pourquoi. On s'est connus comment? Tu te rappelles? On s'est vu une première fois, tu croyais que je volais? Et Non, on s'est connus une deuxième. je croyais que tu faisais du repérage. Du repérage. Pour la nuit, pour la nuit. Et la deuxième fois, j'étais ici chez Stan. J'étais arrivé avec mon vélo, il pleuvait. Ouais. Et Stan, il n'entend pas. Quand il travaille, il sable. Donc, j'ai vu ton garage ouvert comme ça. Ouais. Et moi, je me suis approché. Mais moi, je t'ai pas vu au fond parce que tu avais fermé la porte. Tu vois? Et moi, je dis, je vais m'abriter. Ouais. Et j'avais mes lunettes de. Ouais, de... Avec ton truc et mes oreillettes et tout ça. Ouais, de téléphone. Ouais. Et je vois la voiture et je dis, waouh, elle est belle la voiture pour que je la fasse dans ma tête. Tu sais? Parce que je dis, c'est vraiment la couleur qu'il me faut. Tu vois? Ouais. Et après, je te vois au loin et toi, tu me dis, bah, vous faites quoi? Toi, tu m'as pas reconnu, j'avais les lunettes. Bah ouais. Et là, je dis, bah, c'est toi, Patrick? T'es d'accord? C'est moi qui ai dit. Bah... J'ai dit, bah, c'est Christophe, je ne sais pas quand tu as une lunette. Voilà, ouais, c'était ça. Et de là, j'ai dit, ben Patrick, tu sais quoi? Tu as une belle voiture. Elle est pas belle, mais elle sera belle. Elle et toi, tu m'as dit, ben non, elle est belle, elle a 23 ans. 21. Et toi, tu me fais ça. Et là, je dis, tu me la rayes, là. Ça, tu me la rayes. Moi, je suis pas professionnel. Hein. T'es un pas, ouais, voilà. Et donc, je t'ai dit, ben tu vois, Patrick, pour te faire plaisir, je vais te faire ta voiture. Et toi, tu comprenais pas ce que je te disais. Ah ouais. Et je te disais, je vais te la rendre brillante. Parce que regarde les optiques, pareil, ils sont pas beaux, tu vois. Je vais te la rendre brillante. Et je t'ai montré des vidéos et tu m'as dit, waouh. Incroyable. Bah oui, parce que tu sais très bien que je vends des produits maintenant, aujourd'hui. C'était des miroirs. Et ben voilà. Et je t'ai dit, je te la ferai. Hein? Tu m'as montré les vidéos là. Ouais, et ben c'est ça. Les voitures, c'était un miroir. C'était, ben ça va être ça ta voiture. Et je t'ai même dit à un moment donné, ben, tu payeras pas parce que j'ai envie de te faire plaisir, j'ai le droit. Tu vois, j'ai le droit. Et toi, tu m'as dit, tu m'amèneras au restaurant. Ah oui. Et je t'ai dit, il n'y a pas de problème, je connais une personne que j'adore, c'est Fred. Et toi, tu m'as dit, c'est... Il m'en plaît, il est grand fort. C'est ton ami d'enfance. Ouais. Non, toi... non, il est jeune. Ah oui, par rapport à toi. Ouais, mais ouais, tu connais... T'as le même âge, mon plus vieux, toi. Ouais, d'accord. T'as quel âge, 49 ans, toi? Ouais. Bah, mon plus vieux est de 70. Bah, c'est un ami à toi, Fred. Ouais, bah oui, il me connaît, hein. D'accord. Et toi, tu m'as dit, ben non, je t'emmènerai dans un autre restaurant. Ce sera à Calais. Et ce serait où? Au Grand Bleu ou au Chanel? Alors, au Grand Bleu. Et moi, je t'avais dit, j'ai écouté la musique du Grand Bleu, c'est un signe. Non, mais tu te rappelles que c'était ça, l'histoire, hein, en fait. Hein. Et en plus, ta voiture, elle est bleue. Donc, tu sais quoi? Je viens chercher ta voiture et je m'en occupe. Bon, maintenant, il y a eu ça que j'aime pas. Là, tu as repeint, là, et à la bombe. Par contre, tu sais pas si tu as poncé. Toi, tu as voulu enlever des rayures. Qui c'est qui a peint? C'est ça que j'aime pas. C'est toi. Mais tu te rappelles plus si tu as poncé. J'ai pas pensé. Sûr? J'ai pas pensé. Bah, y a un ami Stan. À Stan. Parce que là, elle est vraiment dans un état. Patrick Barbier, c'est un mécano. Ouais. Il y a deux ans, ça. Il voit ma griffe. C'est ce qu'il fait? Non. Il prend. Il prend ça. Il met ça dessus, bah, il m'a tout bouffé. Ah, il a tout bouffé le vernis. Ah oui, merde. Mais il faut pas faire. Mais si, sur internet, c'est bon, il dit. Vas-y, qu'est-ce que t'as fait là? C'est tout blanc. Ah oui, il t'a bouffé le vernis. T'es malade, toi. Donc, c'est de la tarpe. Hein. Ouais, il t'avait bouffé le vernis parce que c'est. Ça vous a bien lavé. Ok. Bon, ben, tu sais quoi? Ma charge la plus grosse sur ta voiture, c'est ça. Puis après, tu m'as montré que c'était craquelé. Ouais. Ben, sors là, parce que la vidéo, elle dure que 5 minutes, en fait. Ouais. Je te la laisse sortir. Non. Ah, tu sais le faire ou pas? Tu conduis ta voiture ou pas? Bah ben, non, fais-le alors. Non, parce que je filme. Il y a une sécurité, hein. Ben, je te laisse faire. Si tu connais pas, tu vas pas la mettre en route. Non, ben, tu vas me montrer après, t'inquiète. Ouais, ouais, tu vas me montrer, bien sûr. Donc. C'est la voiture que je vais faire de Patrick, c'est la voiture du Grand Bleu. Alors, est-ce que c'est un signe? Ouais, je pense. Bah, parce que moi, je marche que par ça dans ma vie, en fait. Donc, sinon, je sais pas que je ne ferai pas, parce que je ferai pour faire plaisir. J'en avais plein d'autres voitures à faire. Mais je veux que ce soit la sienne. Parce que j'ai envie. Voilà, c'est tout simple. Puis, elle est vraiment dans l'état où je voudrais. Là, c'est vraiment... Bon, la dernière fois, il m'avait dit qu'il avait poncé. Alors, maintenant, il a pu poncer. Donc, je vais le savoir... À la découverte de ce que je ferai, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est ce qui m'inquiète. Et l'arrière m'inquiète. Ouais, l'arrière, ça m'inquiète vraiment. Voilà. Sinon, s'il n'y a que ça, ça va. Oh là là. Merci, Patrick. Ouais. Donc, tu as une petite bosse là. Ok. Donc, ce qui m'inquiète, bon, le coffre s'est fait un peu apparemment. Ça, je ne pourrais pas.